Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la crypto patate. Je vous fais juste une rapide petite vidéo pour vous rappeler de garder en tête que je vous avais annoncé une grosse volatilité. C'est chose faite, on y est. On a pris 18% à un moment dans la journée depuis que moi je suis levé. Vous n'êtes pas encore levé en tout cas pour la plupart d'entre vous, enfin pour certains d'entre vous, au moment où je fais cette vidéo. On était à 18%, là on est retombé à une quinzaine de pourcents sur Bitcoin, et puis il y en a d'autres, des cryptos qui prennent du gras, on va dire. Donc comme je vous l'avais dit, on est bien arrivé dans le crypto printemps. Je ne suis pas parvenu à finir la vidéo parce que c'est beaucoup plus de montage que j'avais prévu par rapport aux citations. Et en fait, je suis obligé de m'absenter pour un meeting, une série de meetings que j'ai demain. Et donc, je vais devoir voyager aujourd'hui. C'est pour ça que cette vidéo, je vais essayer de la faire d'une traite, de ne pas la couper et de ne pas dire de bêtises. Juste une chose, gardez bien en tête le Mongox effect, l'effet Mongox cette année. Et puis, toutes les autres choses que je vous ai annoncées, l'histoire du Brexit, l'histoire du halvening qui arrive l'année prochaine. Et puis, en plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a les élections 2020. Il y a d'autres choses encore, mais ça, en plus des stablecoins type JP Morgan Coin, et puis donc le JPM, le JPC, je ne sais plus comment ils vont l'appeler, le Facebook Coin et compagnie, gardez bien en tête que la volatilité va revenir en 2019, j'en suis persuadé. On parlait de l'année des stablecoins, je pense que c'est aussi l'année des stablecoins. Et ils vont du coup encore plus, briller cette année, grâce entre guillemets à la revenue du crypto printemps. Ça ne veut pas dire que vous devez vous jeter dessus. Il y a quand même 11 milliards de volume sur du Tether à cette heure-ci, du USDT. Quand on est à 12 milliards sur le Bitcoin de volume sur 24 heures, donc je pense que c'est même pas sur 24 heures, hein, c'est sur les dernières heures, mais honnêtement, j'ai vraiment pas le temps de faire l'étude là-dessus. Je vais vraiment publier cette vidéo rapidement avant de partir. Donc, gardez en tête que la volatilité est là. Ne vous jetez pas sur les cryptos à cette heure-ci parce que je pense qu'on va voir encore beaucoup de mouvements. Alors, si vous faites des mouvements vous-même, restez prudent. Je ne fais pas d'analyse technique, moi je fais de l'analyse. Je ne suis pas des paradigmes instaurés par le monde de la finance parce que le monde de la crypto-finance est bien plus rapide et qu'il a été prouvé à tellement de reprises que les finances elles-mêmes sont dépassées par les cryptos. Donc gardez bien en tête qu'on va rester sur de la volatilité, je pense, pendant quelques mois, voire peut-être même une année, de la très grosse volatilité. Voilà, c'est mon avis. Encore une fois, ça n'engage que moi. Si vous engagez des sous, c'est votre argent. Vous êtes maître de votre argent. Donc, gardez bien ça en tête. Allez, restez crypto curieux et à la prochaine. Ciao.